Pour ma fiancée, ça te donne? Oh, la pauvre folle! Ah, il est pour ma fille. Quand je me retirerai pour devenir planteur, vous verrez quelle grande dame je saurai faire de ma fille. Il aura des douzaines de jeunes gens à ses pieds. Tous les grands seigneurs de la côte lui feront la cour. Maintenant, fais le partage du butin. Une partie tout de suite, gardons l'autre partie pour les mauvais jours. Ah non, encore ce ridicule partage. Je veux tout de suite tout ce qui me revient. Tais-toi, Fena. Je te le dirai quand ce sera le moment de protester. Laisse-moi faire. Qui a-t-il, William? Pourquoi fais-tu cette tête? Kangourou est mort. Il est mort des suites de ses blessures. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Un jour ou l'autre, ce sera notre tour. C'est notre destin qu'il veut. Nous risquons tous de mourir en combattant. Nous ferons une prière pour lui. Retourne à ton poste. Eh bien. Tu n'as pas entendu? Qu'as-tu à me reprocher? Kangourou serait en vie et d'autres aussi si tu avais su manœuvrer. Tu viens de dire une parole de trop. Tu vas la retirer ou je te la renfonce dans la gorge. En d'autres temps, tu aurais su attaquer et tu nous aurais évité la seconde bordée. Trop d'hommes ont payé de leur vie la grave erreur que tu as faite. Est-ce que vous avez entendu ce que celui-là vient de nous dire? Va, Garko, parle. Tu as souvent combattu à mes côtés. Alors, qu'en penses-tu? Dis-le. Hey! Au sondage! Au poste de manœuvre! Au poste de manœuvre! Sonde 50 pieds! Ce William, quelle audace! Les jeunes ont les dents longues et ils convoitent tous le commandement de la Santa Maria. Un beau navire. Sonde 45 pieds, nous approchons de la côte! Au poste de manœuvre! Par à tribord! Alors, vous l'achetez? C'est elle, la Santa Maria! C'est elle! La Santa Maria! C'est elle, Serpente, c'est la Santa Maria! Il est revenu encore une fois, le vieux tigre. Viens, allons jusqu'au port. Thank you.
Consuelo. Un jour ou l'autre, tu tueras quelqu'un. Ne crains rien, je ne rate jamais. Regarde, c'est un cadeau de mon père. Qu'en penses-tu? Je te préfère vêtu de cette façon, comme une jeune fille. Tu oublies que je suis la fille d'un pirate, William. Le pirate le plus redouté et le plus rusé. Tu es une femme, Consuelo. Celle que j'aime et que j'épouserai un jour. Tu sais, depuis quelque temps, mon père a de curieuses idées. Il veut faire de moi une grande dame. Il dit qu'avec tout l'or qu'il a, il peut satisfaire tous ses désirs. Il ne se doute guère que, pour tout l'or du monde, je n'abandonnerai pas ce genre de vie. William, à qui crois-tu que mon père confiera le commandement de la Santa Maria le jour où il ne naviguera plus? Ton père est notre chef, c'est lui qui décidera. La Santa Maria a toujours eu des capitaines à la hauteur de leurs tâches. Et tous ces capitaines appartenaient à notre famille. Il n'y a plus d'hommes dans ta famille. Pourquoi veux-tu que ce soit toujours un homme qui commande sur un navire? Je suis convaincue qu'un jour ou l'autre... Voilà, Serpente. Il faut que je te quitte. Voilà des heures que je te cherche. Le vieux tigre veut nous voir tous. Il nous convoque ce soir à la taverne. Les hommes disent qu'il doit s'agir de quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce que tu as, William? Ah, toujours la même histoire. Les femmes. Tu me plais? Bonjour, quelle jolie fille tu fais, chérie. Viens, viens m'embrasser. Oh, c'est pas gentil de me repousser. Je me suis fait mal. Donne-moi à boire, Rosa. Je suis trop vieux pour donner des ordres et conduire un navire, mais je peux encore lever le coude. Personne ne pourra jamais dire qu'il a vu le vieux tigre rouler sous la table parce qu'il était ivre. Mes amis, frères de la côte, écoutez. Je vous défie, jeunes et vieux, je vous défie tous autant que vous êtes, de me faire sortir de ce cercle. Alors, j'attends. Personne ne veut essayer? Alors, courage! Viens, essaie, toi, portugais. Essaie, je te dis. Et si tu gagnes, ceci sera à toi. Qu'attends-tu? Décide-toi. Essayez? Oui. Attendez une minute. C'est pour ça que tu nous as convoqués. Nous savons tous que tu es très fort, tigre. Non, le vieux tigre, il est bien fini. Vous ne le verrez plus envoyer à la mort, vos camarades. Écoutez, c'est ici que se trouve le secret de mes trésors. Je suis riche. Oui, je suis riche. Et je vous donnerai la moitié de ce que j'ai quand je mourrai. Mais la Santa Maria, à qui je donnerai la Santa Maria? Si j'avais un fils, vous le savez, la question serait résolue, mais... Je donnerai la Santa Maria à celui d'entre vous qui saura la conquérir. Alors, écoutez-moi bien. Celui qui plantera son poignard sur la table aura le droit de se battre et d'essayer de conquérir la Santa Maria. Voilà. Ah. Bien sûr, je m'y attendais, William. Et alors? Il n'y en a aucun ici. Il n'y en a aucun qui veuille prouver son courage. Et toi, toi le balafré, tu ne plantes pas ton poignard? Et toi, Robert, qu'attends-tu? Qu'as-tu fait de ton courage? Un tas de lâches, un tas de trembleurs et de couards. Voilà ce que j'ai eu l'honneur de commander jusqu'à aujourd'hui. C'est à croire que vous avez tous des cœurs de lièvre. Si le commandement est donné à William, c'est fini pour toi, Robert.
aussi. Défendu, Robert. Je te laisse la vie. Aucun autre ne veut essayer, mais je tiens à vous avertir tous que cette fois, je tue. Comme Suelo, non, pas toi. Et pourquoi? Es-tu prêt, William? Je ne me bats pas avec une femme. Une femme, dis-tu? J'ai toujours vécu parmi vous. Je suis une des vôtres et je ne crains personne ici. C'est à moi que la Santa Maria doit revenir en toute justice. Mais le chef est d'une autre opinion. Je lui obéis donc. C'est pour les hommes que j'ai parlé. Tu le sais, je ne suis inférieure à aucun de tous ceux-là. D'ailleurs, regarde-les. Tu ne vois pas qu'ils tremblent de peur? Très bien. Je décide que le duel aura lieu. Et jusqu'au dernier sang, le vainqueur aura le droit de grâce. Allez. Une pitié à avoir, William, parce que je te jure que je n'en aurai pas. Non, j'ai le droit de lui laisser la vie si je le veux. Ah! Il est possible que je me sois quelquefois trompé en manœuvrant. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr. Je n'ai jamais été ridiculisé par une femme. Consuelo, je ne veux plus voir ton père. Qu'il reste tranquille, sinon il le paiera très cher. Il s'est fait donner une bonne leçon, ton William, et par une femme. Bravo, ma fille. Tu es digne du tigre des mers. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi viens-tu ici? Oh, je sais ce que tu penses. Mais malgré William et les autres, je commanderai la Santa Maria. Et William sera mon second, s'il le veut. Toi, Serpente, tu me comprends. Toi, tu me donnes raison. Je sais ce que tu me dirais si les Espagnols ne t'avaient pas coupé la langue. Maintenant, William va me haïr. Oui, j'en suis sûre. Je l'ai rendu ridicule. Jamais il ne me le pardonnera. Il fallait cependant que je fasse ce que j'ai fait. Maintenant, nous avons un commandant femelle. Assez, va te coucher, tu as assez bu. Bonsoir, mon ami. Bonne nuit. Nous avons assez bu à la santé du commandant Consuelo. Le commandant Consuelo. Mes amis, bonne nuit. Mon pauvre père, ça n'a pas été une soirée très gaie pour lui.
Il n'est pas encore un homme fini. Il peut encore commander la Santa Maria. Tu sais, si je me suis battue contre William, je l'ai fait pour mon père. Je l'ai fait rien que pour lui. Oh! Au secours! Au secours! À moi! Père! Père! Oh, dis-moi qui a fait ça, dis-le-moi! Je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi à voir son visage. Il voulait me prendre ceci. Le plan du trésor. Consuelo, ce trésor, il est à toi. C'est le poignard de William. De colère parce qu'une femme t'a vaincu. Alors tu as décidé de te venger d'un seul coup de Consuelo et de son père. Ce que tu dis là est complètement faux, je suis innocent. Le poignard qui a tué le vieux tigre dit la vérité. À présent, votons. Que chacun de nous vote selon ce que lui dicte sa conscience. Ceux qui condamneront à mort planteront leur poignard dans cette table. Âme et conscience, nous te condamnons à mort à l'unanimité. Écoutez, William, nous l'avons jugé impartialement et nous l'avons condamné à mort. Selon nos usages, c'est le chef qui doit ordonner l'exécution. Mais si tu ne peux le faire... Suis-moi. Consuelo, cet homme est l'assassin de ton pauvre père. Consuelo, ma vie est à toi. Déjà, tu me l'as laissé hier. Sache avant de te décider que je suis innocent de la mort de ton père. Tu es notre chef. Tous, ils t'ont accepté. Consuelo, comment te feras-tu obéir d'eux si tu leur montres que tu es faible? Les Espagnols! Les Espagnols! Voici pour vous, mon cher capitaine, la croix de Saint Ignatio que vos faits d'armes vous ont méritée. Quoi, vous n'êtes pas content? La croix de Saint Ignatio? Mais j'ai déjà été décoré de la croix de Saint Ignatio, Excellence, le mois dernier, de vos propres mains.
Mon cher, le capitaine Gonzalez a déjà été décoré pour les éminents services qu'il nous a si souvent rendus. Bon, bah, eh bien, changeons de décoration. Voilà tout. La bravoure doit être récompensée. Mais vous, mes fidèles, vous avez su être très valeureux. Bravo. Merci. Moi et l'Espagne, vous sommes reconnaissants. Malheureusement, pour de longs mois peut-être, je crains que vous n'ayez plus à vous battre. Parce que les pirates, beaucoup grâce à moi, et à vous aussi. Voilà. Allez. La croix de Saint-Ferdinand te manque encore, et c'est bien désolant. Oui, mais il faut un décret de Sa Majesté. Qui ne saurait tarder à arriver maintenant. Je te signale, j'ai fait préparer une relation sur les hauts faits des troupes. Oh. C'est là une excellente initiative dont je te félicite. Oui. Bien. Merci. Alors, sois heureuse. Tu es contrariée parce que je n'ai pas participé à la bataille. Oh, non. Alors, ayant suivi avec soin les plans que j'avais conçus, mes hommes ont surpris, alors qu'il était à terre, l'équipage de la Santa Maria. Nous les avons mis en fuite et nous avons fait des prisonniers sans même avoir un seul blessé chez les nôtres. Et tu... Oh, tu as été héroïque, je le sais. Mais vois-tu, le butin a été hélas dérisoire. Les pirates possèdent des trésors qu'ils ont accumulés depuis des années. Et je pensais alors que... Mais une victoire ne saurait se mesurer en or et en argent. Je le sais, mais tu désires retourner à Madrid et retrouver un poste digne de tes mérites. Oh, Madrid sera heureux de rendre les honneurs au grand-duc Inigo Cordoba de Aragona et Castiglia. Les dames madrilènes seraient disposées, j'en suis sûre, à oublier très vite mes origines plébéiennes si j'avais d'immenses richesses. Je te le dis, il était essentiel... J'ai pour le moment quelques soucis d'ordre financier, toutefois cela ne saurait autoriser à... Mes excuses, mon cher, et ne m'attribue pas des pensées que je suis loin d'avoir. Je t'aime beaucoup. Je souhaite pour toi une grande richesse. Et nous y arriverons. En tout état de cause, tous les trésors des pirates appartiennent à Sa Majesté le roi d'Espagne. Mais il est si riche, il ne s'y intéresserait pas, c'est peu de choses pour lui. Je dois quitter, j'ai 1000 choses à faire. Qu'y a-t-il? Le capitaine Alvaro Mendoza a fait conduire chez vous un de ces sanguinaires, un de ces terribles pirates. Oui, oui, je sais. Mais ce sont des bandits très dangereux. Celui-là l'est sûrement aussi, Excellence. N'en parle à personne et ne te fais aucun souci, Laura. Je vous le jure. Alors va-t'en, à présent. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai à parler à cet homme. Laissez-moi seule avec lui. N'ayez aucune confiance en lui. Ce sont des gens qui sont capables... Soyez tranquille, capitaine. Je prendrai garde. Veuillez nous laisser. Oui. Et je ne veux personne derrière ma porte. Est-ce clair? Très clair, Excellence. Sachez que j'ai pris seule cette initiative. Personne d'autre que vous n'est au courant. Je suis très flatté de la confiance que vous me témoignez, Excellence. Allez, viens, toi. Vous avez fait du joli travail. Ça n'est pas ma faute. J'avais tout prévu d'autre manière. Détachez-moi cette corde découpante. Lorsqu'on s'est engagé de façon formelle, chère madame, il faut tenir parole quoi qu'il arrive. Et vous? Veuillez m'appeler Excellence. Je ne saurais tolérer certaines familiarités. Nous avons obtenu un beau résultat. La Santa Maria a réussi à lever l'ancre. William et Consuelo se sont enfuis, Dieu sait où. Et tant qu'ils seront en liberté, il nous faudra tout craindre. Y a-t-il quelque chose à boire ici? Bien sûr. Tenez sur ce meuble-là. Il y a des verres, servez-vous. Vous avez fait du très bon travail. Du très bon travail pour vous. Seulement pour moi? Si, bien sûr. Mais j'ai pris tous les risques. J'avais poignardé le vieux tigre et je m'étais arrangé pour faire accuser et condamner William. Aller l'emmener à la potence, puis vos soldats sont arrivés et du coup, tout a été gâché. Ce n'était pas ce qui était convenu. Nul ne vous avait dit qu'il fallait assassiner ce vieillard. C'est souvent une obligation. L'on tue ou bien on est tué. Alors au moins, savez-vous où est caché le trésor? Non. Mais comment? S'il est vrai que vous ayez commis cet assassinat, alors vous devez c'est savoir... C'est comme je vous le dis, le secret du trésor est à l'heure actuelle sur la Santa Maria. Donnez-moi un navire bien armé que je commanderai, et je vous garantis que sous quelques jours... Oui, oui, un navire bien armé et un commandant qui sache manœuvrer. Je vous remercie. Mais il ne s'agit pas de vous. Ah non? J'ai compris, vous n'avez plus confiance. Je n'ai jamais eu confiance. Mais alors?
Il est une chose que j'ai remarquée. Les êtres naissent intelligents ou stupides, courageux ou lâches. Vous, vous êtes nés pour trahir. Et vous? Vous qui m'avez fait vendre ceux de mon sang, vous, qu'est-ce que vous êtes? Une alliée loyale qui sait tenir sa parole. Dévoilez-moi le secret qui nous livrera le trésor et la moitié sera à vous. Mais pour le moment, vous resterez ici. Prisonnier, alors? Hôte obligé, si vous préférez. Vous devenez un noble espagnol qui, dans le passé, a vécu quelque temps avec les pirates et connaît bien leurs usages et leurs coutumes. Ainsi, vous pourrez donner toutes indications utiles à celui qui commandera le navire, mais faites très attention. L'officier qui vous a accompagné jusqu'ici est d'une fidélité à toute épreuve. Il a l'ordre de ne pas vous quitter un instant. Ah, vous êtes courageuse. Nous sommes seuls. Je pourrais vous étrangler très facilement. Vous êtes courageuse, mais imprudente. Et les imprudentes ont une vie courte en général. C'est bien triste. Je suis prudente et je tire bien. Aussi, je vivrai très longtemps. Abracadabra. Abracadabra. Voilà 2 heures que nous sommes ici, Cabanel. Veux-tu parler ou non? Allons, fais vite, il faut que nous sachions. Je vois, je vais enfin pouvoir parler. Je savais que le vieux tigre serait assassiné. Et je l'avais prévu il y a longtemps. Mais j'ai la gorge un peu trop sèche. Parler la gorge sèche, c'est dur. T'aurais pas à boire? Bois vite et dépêche-toi de parler. Vas-tu enfin parler? Bien sûr. Je veux que tu me dises où est la Santa Maria. Ah, oh, je vois. C'est clair, très clair. La Santa Maria est... La Santa Maria est... Mais où est-elle? La Santa Maria... Allons, dis-le! Elle est en mer. Consuelo! 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 Tu as des nouvelles, Sancho? Des nouvelles de la Santa Maria. Où est-elle? Elle navigue vers le nord. Qui la commande? C'est William. Est-ce que tu en es certain? Un autre aurait pu te le dire aussi. Malheureusement, il est mort. C'est Stefano. Je veux dire, c'était Stefano. Maintenant, il ne parlera plus. C'était Stefano Languille? C'était bien lui. Il avait eu la chance de réussir à fuir avec William. Ensuite, William et quelques autres ont regagné la Santa Maria et mis à la voile. Ils ont débarqué Languille parce qu'il était malade. C'est la vérité. Il me l'a raconté avant de mourir. La vieille barque est-elle actuellement dans la petite crique des jumeaux? Mais qu'est-ce que tu veux en faire? M'en servir pour reprendre la Santa Maria. Avec cette barque à moitié défoncée, sans armes et sans vivres, c'est complètement fou. Je suis votre chef, n'est-ce pas? Je vous serai reconnaissante de vous rappeler ceci. J'ai conquis en duel le droit de commander et j'entends être obéi. Bon, c'était un duel pour rire. Hey! Si quelqu'un a des objections à présenter, qu'il le fasse. Bon, alors allons à la barque. Je veux que nous partions au plus tôt. Elle a de ses arguments. Allez, suivez-moi. Je lis dans tes yeux que tu doutes, Serpente. Et tu as entendu. Ce traître s'est enfui sans s'occuper de nous. Et c'est sur mon navire qu'il a réussi à s'échapper. Non, à l'heure actuelle, il n'y a plus de doute. C'est lui l'assassin. C'est lui, et je le jure devant Dieu, un jour je vengerai mon père. Souvenez-vous, il faut que nous ayons l'air d'être des naufragés. Faites attention. C'est un navire espagnol. Et je crois qu'il nous a vus. Il se dirige tout droit sur nous. Rico, enlève ta veste et fais des signaux. Vite, fais ce que je te dis. La comtesse Isabelle de Mendoza, veuve du comte Mendoza. Nous nous dirigeons vers Panama quand des pirates nous ont attaqués. Savez-vous le nom de ce navire pirate? Je crois que c'était la Santa Maria. Et est-il vrai que c'est une femme qui le commande? Je l'ignore. Sauriez-vous dire à quelle distance de la côte vous avez été attaquée, comtesse? Je dois vous avouer, commandant, que je n'y connais pas grand-chose. Je me trouvais dans ma cabine au moment de l'abordage. J'ai entendu tout à coup de grands cris. Et puis ces brigands m'ont forcé à descendre dans une chaloupe avec ceux des nôtres qui avaient survécu. Oui, je comprends. Tenez, comtesse, cela vous fera grand bien.
5 degrés à droite. 5 à droite. Vous l'avez échappé belle. Mais sur le feu en test, vous êtes en sécurité. Nous avons un armement magnifique et si nous rencontrons la Santa Maria, nous l'enverrons par le fond en 10 minutes. Tu as mangé? Tu pourrais peut-être répondre et dire oui, merci. C'est ce qu'on fait quand on est poli. Oh, t'es muet, excuse-moi. Vous savez, Porto Nuevo est un endroit qui n'offre malheureusement que peu de distractions. Pourtant, un bel homme comme vous, vous devez trouver les distractions quel que soit l'endroit. Oui, je dois l'avouer. Lorsqu'on vous voit, on se dit que vous devez beaucoup plaire aux femmes. Oui, cela arrive. Et cependant, je sais aussi être très sévère. Il en est une, par exemple, qui aura de graves ennuis si un jour je la trouve. Ah oui? Et de qui s'agit-il? De cette jeune aventurière qui commande la Santa Maria. Je voudrais la voir à ma discrétion. Et si elle était à votre discrétion, ainsi que vous le dites, qu'est-ce que vous lui feriez? Aussi vrai que je m'appelle Don Alvaro González de Altamura, dit Catalogna, je la fesserai comme une enfant passage, afin de lui apprendre à rester à sa place. Ma foi, ce sera un spectacle réjouissant, je souhaite y assister. C'est très possible, comtesse. Il suffirait que j'ai un peu de chance. Alors vous en aurez, je l'espère, car, mon cher commandant, vous en aurez sûrement besoin. Avant qu'il soit longtemps. Pardonnez-moi, comtesse, de n'y avoir pas pensé plus tôt. Vos vêtements sont tout déchirés. Je n'ai malheureusement rien à vous offrir qui vous convienne. Je n'ai que des uniformes d'officier. Merci, commandant. J'accepte votre offre. Bonjour, monsieur l'officier. Tout est prêt? Oui. Commandant, c'est une aventure tout à fait délicieuse. Et qui aura, j'espère, une conclusion à Porto Nuevo en dehors des heures de service. Cette femme doit avoir un tempérament exceptionnel, volcanique. Oui, du tempérament et de la passion. Je parierais que vous avez déjà su profiter de certaines occasions. Quand on est de service sur un navire de Sa Majesté, il ne saurait être question de femme, lieutenant. Souvenez-vous-en. Veuillez m'excuser. Je vous comprends, vous savez. La présence à notre bord d'une créature aussi séduisante, aussi raffinée et aussi attrayante qu'elle doit exciter l'imagination, c'est naturel. Elle est veuve d'un comte d'origine portugaise qui vivait en Amérique du Sud. Elle est déjà veuve? Oui, depuis un an. Elle se consolera sûrement d'ici quelque temps. Elle est encore si jeune et tellement jolie. Magnifique! Le Fuentes compte un bel officier de plus. L'uniforme vous sied à ravir, madame. Vous êtes galant. D'ailleurs, je me sens tout à fait à mon aise dedans. Commandant, vous avez dû livrer sur votre beau navire des batailles passionnantes. Je suis officier, comtesse. Oh, que ce doit être merveilleux de commander, de donner des ordres. Voyons, quel ordre donnez-vous juste avant que la bataille s'engage? Tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont! Et après, que dites-vous? Ensuite, j'ordonne tout le monde au poste de combat. Tout le monde au poste de combat! Allez, attaquez! Thank you.
mes amis. Vous avez fait ce que j'attendais de vous. Il faut mettre au fer le commandant. Ou le tuer, ça vaudrait mieux. Oh non, il a été si galant. Où sont les couleurs espagnoles? Bien sûr, elles sont si belles. Alors, nous recommençons? Tu en doutais? Je dois honorer la mémoire de mon père. Bien, chef, tu as raison, c'est ce que nous espérions de toi. Nous attaquerons tous les navires que nous verrons. Et si notre bonne fortune nous fait rencontrer la Santa Maria, William, ce traître assassin, ce voleur, finira en haut d'une vergue, une corde au cou. Et de ce jour, Consuelo alla de bataille en bataille, d'abordage en abordage, de victoire en victoire, espérant retrouver William afin de le punir de sa trahison. Et tous les frères de la côte accoururent bientôt pour venir se ranger sous son pavillon. Consuelo devint peu à peu une femme sans pitié, cruelle, courageuse jusqu'à la témérité, ne connaissant d'autre loi que la sienne. Et ses étonnants exploits lui valurent le surnom de Tigre des Mers. Toujours ainsi. Quelles que soient les victoires qu'il remporte, il reste triste et indifférent. Ça devrait le réjouir. C'est qu'il pense toujours à Consuelo. Alors il dut le faire pendre haut et court. Lui faire subir le sort réservé aux assassins. Retire ce que tu viens de dire. William n'est pas un assassin. Ah si, ça suffit. Hé, hey, regardez. William, regarde, on vient d'allumer un feu. Alors, continuez. Une femme que je croyais être une naufragée, que j'ai prise à bord du Fuentes, a montré qu'elle était une créature aussi diabolique que séduisante, d'une adresse étonnante à l'épée. Consuelo. Alors elle est vivante. Et elle commande mon navire en ce moment. Mais qui êtes-vous? Je suis William Scott, je commande la Santa Maria. Ah, encore un pirate. Et ce traître qui avait eu l'audace de prétendre que grâce à lui, ils avaient tous été exterminés. Quel est son nom? J'ignore comment il s'appelle. Allons, je veux savoir son nom. C'est un de vos anciens compagnons. Il vous a trahi et il est à Porto Nuevo, où il vit honoré et respecté. Et ce traître s'appelle? Je vous dis que j'ignore son nom. C'est un homme assez grand, plutôt fort, et il a une mèche de cheveux blancs. Ah oui, je commence à comprendre. Désolé, commandant, je dois prendre votre canot, et vous serez mon hôte. Prisonnier? Nous verrons cela. Allons! Navire en vue! Trois quarts sous le vent! La Santa Maria! C'est la Santa Maria! Tout à droite, Serpente! Vire à droite! Tu as entendu? Hissez les couleurs espagnoles! C'est peut-être le Fuentes? Nous le saurons bientôt. Amenez le pavillon espagnol! Tout le monde sur le pont! Tout le monde au poste de combat! Tout le monde au poste de combat! C'est le Fuentes. Hé là-haut, hisse le drapeau blanc. Non, c'est de la folie, c'est sûr, elle te tuera. Je pense qu'un jour tu me comprendras, la Santa Maria appartient à Consuelo. Targuez les voiles, le canot à la mer. Viens avec moi.
ils ont hissé le drapeau blanc. Regardez. William est dans le canot. Il n'y a qu'un homme avec lui. Tenez-vous sur vos gardes. C'est sans doute encore une ruse de ce damné traître. Si c'est une ruse, ça va lui coûter cher. Ce drapeau blanc, c'est sans doute un de ces pièges dont tu es coutumier. Mais si tu essayes quelques ruses, je te tue de mes propres mains. Je suis venu t'expliquer. La Santa Maria... La Santa Maria est mon navire. Je l'ai sauvé alors qu'il allait être pris. Je l'ai fait afin de te le rendre un jour. Non, je n'ai pas tué ton père, Consuelo. Et au fond de toi-même, tu sais bien que je dis la vérité. Nous t'avons jugé selon nos lois et notre tribunal t'a condamné. C'est vrai, mais tu vois, je suis sans armes. Si tu veux, tu peux donner l'ordre de me pendre à la plus haute vergue. J'ai le devoir de punir l'assassin de mon père. J'ai fait le serment de le venger. J'ai aussi juré que je châtirai. Et je sais le nom de cet homme. C'est le traître qui nous a déjà vendus aux Espagnols. Dis-moi qui c'est. Il se trouve à Porto Nuevo, il habite le palais du gouverneur. Je te demande seulement 10 jours. Rick viendra avec moi et je te ramènerai l'assassin pour qu'il confesse son crime. Mais tu n'arriveras jamais à le capturer. Tu vas te faire tuer. Non. J'en ai assez de vivre en lisant le doute dans les yeux de mes compagnons. Et dans tes yeux, Consuelo. Tu dois me comprendre. Oui, William. Au revoir, Consuelo. Je reviendrai. Au revoir, William. Et que le Seigneur te garde. Tu sais, au fond, cette vie ne me déplaît pas. Tu as de la chance, moi j'en ai par-dessus la tête. Cette inaction, cette incertitude ne me conviennent pas. Crains-tu quelques mauvais tours de Consuelo ou de William? Ah, ne dis pas de sottises. Et enlève-toi de là. Pourquoi? Ben, pourquoi? Si quelqu'un entrait. Tu donnes des ordres comme un chef. Ben, je suis ton maître. Enfin, aux yeux de tout le monde. Aux yeux des autres, mais aux miens, non. Vous permettez? Tu pourrais le demander avant d'entrer et non après. Veuillez m'excuser, mais ma maîtresse m'a donné l'ordre de vous apporter ces rafraîchissements. Mais bon. Pose-les là et va-t'en. Prétexte. Toutes les raisons sont bonnes pour nous faire surveiller. Et toi, fais attention, cette femme-là est très dangereuse. Oui, ben, tu as tort de rire, tu verras. Hey, viens par ici. Viens, on va s'amuser un peu. Belle fille. Oh, oh. On devrait passer. Qu'est-ce que tu te crois, chien? Fais des excuses. Fais des excuses tout de suite, sinon je vais t'arracher la langue. Faites excuse. On doit dire faites excuse, monsieur. Faites excuse, monsieur. Ah. Depuis qu'ils ont réussi à prendre quelques pirates, ils sont devenus encore plus insolents qu'avant. Mais la Santa Maria, ils ne l'ont pas encore prise.
Hey, apporte-nous à boire, et vite. Oui, voilà, j'arrive. Tu es sûr de ce que tu avances? J'en suis absolument sûr. Je t'ai dit d'apporter à boire. Viens là, on voit que tu vieillis. Alors regarde ce que tu fais, imbécile. Non, excusez-moi, Excellence, je suis désolé. Depuis que les pirates se sont fait étrayer, ils sont devenus aussi doux que des agneaux. À la santé du roi d'Espagne. Bonjour, William. Bonjour. Bonjour, Portoricain. Celui-là, c'est Eric, un ami en qui on peut avoir confiance. Ah oui. Enfin, je suis content de te voir. Mais comment vous êtes-vous laissé surprendre? Quelqu'un nous a trahis. Depuis que j'ai vu ce qu'ils ont fait aux femmes et aux enfants, j'ai pris la décision d'être avec vous. Non. Non, tu as tort de rire. J'en ai trop vu ces derniers temps, crois-moi. Je compte sur toi. Tu dois me faire entrer dans le château coûte que coûte. Tu peux? Hein, c'est difficile. Mais nous y arriverons. Une charrette, sergent. Portoricain, tu en as des aides aujourd'hui. Paresseux. Qu'est-ce que tu apportes? De la piquette? Oh non, sergent, c'est du vin pour la fête costumée. 13 gros barils. Tout seul, je n'y serais sûrement pas arrivé. C'est du vin d'Espagne et du meilleur cru. Il faut le laisser reposer 3 jours dans une cave fraîche avant de le boire. Du vin d'Espagne? Est-ce qu'ils boiront ou bien de la chance? Attendez. Tenez, c'est pour vous, sergent. Je trouve que c'est injuste que vous n'en buviez pas aussi. Vous devez être amateur, hein? Ah, mais je ne sais pas si j'attendrai 3 jours. Laissez passer! Pas un geste, ou tu es mort. William. Tu vas venir avec moi sur la Santa Maria. Tu ne devrais pas me traiter de cette façon. Au fond, je t'ai sauvé la vie. Toi? À l'arrivée des Espagnols. Et tu étais plutôt en fâcheuse posture. J'ai été condamné pour un meurtre que je n'ai pas commis. S'il y en a un qui le sait, c'est bien toi. Le vieux tigre était décidé. Il voulait se retirer. Et ça me mettait en rage de songer que ses trésors allaient être partagés entre tous. Ne bouge pas. Et voyons, ne sois pas stupide. Nous partagerons le trésor du tigre. Je ne m'intéresse pas au trésor. Je veux que Consuelo sache la vérité. Et c'est moi qui dois la lui dire, je suppose. Je te ferai parler. Avance. Mais où allons-nous? Nous allons d'abord sortir. Ensuite, tu verras. Et rappelle-toi que si tu essayes de me jouer un mauvais tour, je te tue. Avance. D'avoir l'air gai et souris. Attrapez-le! Et prenez-le vivant! À la garde! Voyons, courir après! Allons!
Mettez-le dans un cachot. Il est tard. À cette heure, il devrait être de retour. Il a peut-être attendu que la nuit soit tombée pour agir. Si j'allais voir. Oui, mais tu te feras ramasser par une patrouille espagnole. C'est lui. Laissez passer. Vic, sauve-toi! Vous m'avez fait demander, Excellence. Oui. J'ai entendu parler de l'incident d'hier soir et je tenais à vous faire toutes mes félicitations. Vous croyez que j'en suis extrêmement touché. Cet homme doit avoir des raisons puissantes de vous haïr. Sans cela, il n'aurait pas risqué sa vie dans une entreprise si hasardeuse. Qui est-ce? Un pauvre fou, sans doute. J'ignore comment il se nomme. Il a certainement voulu faire une action d'éclat pour étonner ses compagnons. Êtes-vous sincère? Quel intérêt aurais-je à vous mentir? Nous avons le même but, Excellence. Oui, c'est une raison. Je vous remercie. Ne croyez rien de ce qu'il dit, il cherche à vous induire en erreur. Mais soyez tranquille, je le surveille, et son ami aussi. Oh, son ami, je trouve que tu surveilles d'un peu trop près, on ne le voit jamais sans toi. Mais c'est une comédie que je joue, afin que ça ait l'air naturel. J'ai réussi à m'enfuir, le portoricain s'en est tiré, il est prêt à nous aider de toutes ses forces. William, prisonnier. Il faut le faire évader. Mais comment s'appelle ce damné traître? Je l'ignore, je ne l'ai pas vu. Comment le sauver? Il n'y a qu'un bombardier le château! Boum, boum, boum! Idiot, si nous faisions ça, William serait perdu. En ville, il y en a beaucoup qui sont prêts à se joindre à nous. Tous les canons de la citadelle sont pointés vers la mer, cela limite notre champ d'action. Attaquer serait sûrement une folie. À mon avis, nous n'avons une chance de réussir qu'en trouvant une ruse. Ça va être une surprise pour tout le monde. Aucun des invités ne s'attend à voir arriver ma jolie maîtresse en compagnie d'un pirate. Comment trouves-tu? Oh, on dit est magnifique. Mais si le capitaine Gonzalez était de retour, ayant pris la Santa Maria et ayant remporté une grande victoire sur les pirates, ce déguisement aurait une autre signification. Mais qu'y faire? Il t'inquiète beaucoup, ce retard de Gonzalez. Ah oui, beaucoup. Pourtant, tu dois savoir que les vents peuvent contrarier la marche d'un navire et le retarder de quelques jours. Tu as raison, j'ai grand tort de m'inquiéter, sans doute. Bien. Est-ce que tu es prête? Laura, voudrais-tu aller dire que le gouverneur et moi arrivons? Mais je t'en prie, garde le secret sur le déguisement que porte son Excellence. Très judicieux, c'est justement ce que j'allais lui demander. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit. Compris? Compris. Encore des mystères. Je serais fort aise de savoir quel secret il y a entre Laura et toi. C'est un secret d'État. Non, 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 évite de rire de ces choses. Je n'ai que des ennuis avec les secrets d'État. Et tu dois rester à l'écart de tout cela, amour de ma vie. Non, sois sage, nos invités doivent nous attendre. Il nous faut descendre à présent. Tu as raison. Comme d'habitude. Alors, allons, je suis sûr que cette fête costumée sera très réussie. Ha ha ha.
Oh, c'est vous, chère Carlotta. Vous voyez, je vous ai reconnu. Je viens de voir Lolita en vénitienne. Vous venez? Ah, Lolita. Bonjour, mon cher comte. Vous ne portez pas votre masque. J'ai vu la duchesse tout à l'heure et votre mari est par là. Je l'ai reconnu, lui aussi. Encore reconnu. C'est divertissant et fort commode. Je pourrais faire la cour à toutes les invitées. Dois-je te faire une scène de jalousie? Oh, je n'aime que toi, tu le sais. Mais incognito, j'ai bien le droit de me divertir. Bien sûr, je te l'accorde volontiers. Comtesse Isabelle de Mendoza. La comtesse Isabelle de Mendoza et sa suite. J'étais à mille lieues de penser que je rencontrerais ce soir une collègue. Entre nous, est-ce que vous seriez la fameuse pirate qui sème la terreur sur les sept mers? On ne peut rien vous cacher. J'ignore qui vous êtes, je ne vois que votre sourire et vos yeux. Et je suis certain que vous êtes très belle. Vous êtes ma prisonnière et je vous retiens jusqu'à la prochaine danse. Vous permettez? Je regrette, mais vous n'en avez nullement le droit. Êtes-vous bien sûr de cela? Oh oui. Si je dois me rendre, ce ne sera qu'au gouverneur. Donc, adieu, cher collègue. Attendez, une minute. Pour vous, et vous seul, je vais lever le voile de l'incognito. Sachez que je suis le gouverneur. Oh, Seigneur, je suis perdue. Pourquoi? Parce que je suis venue à cette fête sans invitation et que je ne suis pas comtesse. Vous êtes aussi séduisante que belle. Et dans mon palais, les femmes qui sont belles sont toujours invitées et accueillies avec joie. Que la danse commence. Peut-être ce costume insolite qui vous rend si attirante. Séducteur. Comment l'idée de vous déguiser ainsi vous est-elle venue? J'ai toujours adoré les histoires de pirates, Excellence. Oh, dites-moi, est-ce vrai que dans les oubliettes de votre château, il y a de terribles pirates? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est moi qui les ai pris. Oh, c'est vous, Dieu, quel courage. Maintenant, ce sont de vrais chiens couchants prêts à lécher les bottes de leurs vainqueurs. Mais si vous voulez, j'en ferai pendre un devant vous. Non, je déteste la violence et la vue d'une exécution me fait horreur. Et moi, j'adore les éclats changeants que font luire vos yeux verts. Enlevez votre masque. Oh non, pas ici. Mais je consens à l'enlever là où personne ne nous verra. Emmenez-moi visiter les cachots. Je veux me rendre compte si la vue des pirates réussira à me donner le frisson. Bon, si vous y tenez, venez. Dansez avec une telle grâce. Oh. Soyez tranquille, Excellence, on le surveille. J'ai mis près de lui un soldat en qui on peut avoir toute confiance. À vous faire mander. Je vois que la soirée est joyeuse, quoique je n'y sois pas. Vous avez tort, je ne suis heureuse que lorsque je vous vois. Je tiens à vous avoir à mes côtés. Mmh.
hommes devant les cachots. Alors, enlevez-vous ce masque. Je ne montrerai mon visage qu'à vous. Oui, à vous tout seul. Retourne à ton poste. Vous êtes très belle, je le savais. Souvenez-vous, vous devez d'abord me montrer des pirates. Oui, c'est vrai. Vous avez là une collection de pirates qui n'a pas un grand intérêt, avouez-le. Peut-être cela. Mais il y en a à côté dont la seule vue vous donnera des frissons. Venez. Je vous y conduis. Consuelo, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air. Ouvrez vous-même. Ouvrez le guichet et vous le verrez. Il semblait être un pirate comme tous les autres. Oh non, il est féroce. Il s'est introduit tout seul dans le château. Il a tué 8 de nos gardes et ensuite il a réussi à s'emparer d'un de mes invités. Et après? Après, je suis intervenu à temps. Ah. Il s'est rendu. Nul ne doit pouvoir résister à un homme comme vous. Maintenant, venez, la fête nous attend. Tiens-toi prêt à agir. À Porto Nuevo, ils ont l'air de s'amuser. Ils ne s'amuseront plus longtemps. Bientôt, nous les ferons danser. Tu vois toujours le Fuentes? Il est à une demi-lieue environ. Va dire aux hommes que si j'envoie un allumer du feu, je le donne à manger aux requins. Je leur dirai, chef. En tout cas, si le plan de Consuelo réussit, demain soir, je dormirai dans le lit du gouverneur. Et s'il ne réussit pas, beaucoup de ceux qui sont ici dormiront leur dernier sommeil. Bon, assez. Tais-toi, oiseau de mauvais augure. La fête bat son plein, ça veut dire que tout va bien. Moi, je dis que c'est de la folie. À quoi ça sert, ce que nous allons faire? Je t'ai déjà expliqué. Nous devons les surprendre, pendant que vos navires feront une attaque de diversion. Nous, nous devons neutraliser les canons du fort. Mais si tu as peur, tu peux toujours t'en aller. Nous attaquerons au signal, à la première bordée de nos navires. Il faudra faire beaucoup de bruit lorsque nous attaquerons. Oui, on fera un grand trou dans la muraille. Et on foncera. Il faut que nous attirions l'attention des Espagnols sur nous. Comme ça, l'attaque surprise du Portoricain a toute chance de réussir. Je sais que le trésor est dans une des grottes de Kérès, mais laquelle? Il y en a une centaine et il nous faudrait des années pour la trouver. Alors, Fena, serre un peu. Encore. Laissez-nous. Nous allons me briser les os. Allez, serre encore, Fena. Je vais parler.
sorti il y a mille temps. Je vois que les héros cèdent devant certains arguments. Je t'écoute. Le trésor est enfoui dans la seconde grotte de Kérès. À 10 pas vers le nord. Creusez à cet endroit. J'espère que tu ne mens pas. C'est ce que Consuelo m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'en coûte de t'en assurer? Je suis ton prisonnier. Laisse-le, Fena, et cours aux grottes de Kérès. Dans la seconde grotte de Kérès. Et toi? Je te rejoindrai dès que je pourrai m'en aller d'ici sans éveiller les soupçons. Nous nous voyons souvent, capitaine. Vous êtes constamment là avec une assiduité. C'est un vrai plaisir pour moi. Assiduité toute relative, je vous laisse une certaine liberté quand ça est nécessaire. Notre prisonnier a-t-il parlé? J'en rendrai compte à son excellence. Est-ce que vous avez de mieux à faire? En effet. En effet. Un seul garde devant les cachots. Celui de William est le troisième. Les autres sont tous ensemble. Attention, Consuelo, le traître, c'est Robert. Je viens de le voir à l'instant dans les salons. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voulez-vous vous taire? Crevez de faim, ça fait deux jours. Voilà un morceau de pain. À manger! Coupez! À manger! Coupez! Vous nous laissez mourir devant vous! Attention, il est là. Tiens-toi prêt à donner le signal. Va. Venez, mon cher ami, je veux vous présenter une jeune femme très séduisante. Je serais heureux que vous contiez à cette jeune personne qui a l'air d'aimer ce genre de récit vos aventures avec les pirates. Ma chère amie, voici notre invité dont je vous parlais tout à l'heure. Traître! Première bordée, feu! Saisissez vous deux! Excellence, excellence, les pirates nous attaquent. Tous en redoute, vite. Tous en redoute, vite. Robert nous a échappé, William. Sois tranquille, je sais où le retrouver. En avant, nous allons leur donner la leçon qu'ils méritent. Ce sont des navires pirates, Excellence. Feu volonté, tuez-les tous! Ils sont trop loin, ils sont hors de portée, Excellence. Ça ne fait rien, tirez! Feu! Feu! En avant! En avant! Baissez la herse! Allez! Feu! Feu! Feu!
as vu de tes yeux qui nous a trahis. Où est ce dernier Robert? Il se dirige vers les grottes de Kérès. Alors tu as parlé? Je l'ai lancé sur une fausse piste. Nos hommes sont sur les redoutes, il faut nous dépêcher. Il faut nous en aller d'ici. Dépêchons-nous, sinon Robert va nous échapper. Tiens, avec ça, William. Vite! Ils ont attaqué, ils ont surpris nos canonniers. Le gouverneur? Je viens de le voir aux redoutes, nous tenons, rien n'est perdu. Je vais aller rejoindre la garnison de Punta Falos. Mais il n'y a là-bas qu'une centaine d'hommes. Depuis quand discutez-vous mes ordres? Faites préparer les chevaux. Oui, excellent. Thank you.
rends-toi. Je veux bien. Voilà, je me rends. Entre gentils hommes, il est possible de s'entendre. Ce satané bâtard s'est moqué de nous. Il m'a dit dans la seconde grotte de Kérès, 10 pas vers le nord. Je vais lui faire payer très cher. Nous avons intérêt à nous sauver tout de suite. Sinon, c'est nous qui le paierons cher. Le trésor t'a fait perdre la raison, Robert. Reste où tu es, Robert. Élève les mains. Un mouvement et je te tue. Tu t'es moqué de nous, William. Je te le ferai regretter avant longtemps. Et quant à toi, Consuelo, tu as une chance de sauver ta vie, si tu es raisonnable. Dis-nous à quel endroit est le trésor. Tu n'es qu'un traître, Robert, et je vais te tuer comme un chien. Imbécile, il faut l'avoir vivante. Fidèle ami, encore une fois, tu viens de me sauver la vie. Merci. Personne ne bouge. Votre résistance est inutile. Jetez vos armes. Je n'ai pas besoin de vous dire quel châtiment est réservé aux pirates, n'est-ce pas? Vous n'avez pas parlé sous la torture. Vous êtes brave. Et si vous étiez un de mes officiers, je vous ferais décorer. Je regrette que vous soyez mon ennemi. Je dois reconnaître que mon époux a un goût très sûr. Il a fait la cour à la plus jolie invitée du bal masqué. Mon époux est un homme exceptionnel. Mais savez-vous qu'il est le prisonnier de mes hommes en ce moment? Pas pour longtemps. Des estafettes sont parties pour alerter toutes les garnisons des environs. Si vos hommes ne se hâtent pas d'évacuer le château, ils risquent d'avoir une bien triste fin. Est-ce que vous essayez de conclure un marché? C'est bien cela. Pourquoi? Je m'intéresse au trésor que votre père a su accumuler. Non, vous ne l'aurez jamais. Dommage. Vous êtes très belle. Et je crois comprendre que vous êtes aimée. Dommage. Emmenez cet homme et que justice soit faite. Non, arrêtez! Vous avez gagné, Excellence. Un marché fort intéressant pour nous. Nous leur avons laissé la vie sauve et nous avons gardé le trésor. Et souviens-toi que ta vie aussi était en jeu. Oui, en effet. Si l'on regarde les choses sous cet angle, seulement essaye de comprendre. Nous avions vaincu les pirates. Tout leur chef était pris. Et nous n'aurons même pas la satisfaction d'en pendre quelques-uns. Au contraire, les voilà libres sur leur navire. Nous allons devoir lutter contre de nouveaux. Voyons, réfléchis. Sans ces pirates, que ferais-tu? Quels exploits aurais-tu à conter à Sa Majesté? Nos soldats et nos officiers, sans l'espoir d'une décoration, ne serviraient plus avec autant de courage et de zèle. Ai-je raison? Oui, je dois en convenir. Mais cette commandante, cette étrange fille, crois-tu vraiment qu'elle était amoureuse de son compagnon pirate? Et oui, je le crois. Et j'ai tenu justement à ce qu'elle reste avec lui. Pour pouvoir l'éloigner de toi. De moi? Elle ne t'aurait pas résisté longtemps. Oh, mais que dis-tu là? Qui sait? Oui. Oui, il est évident que je lui plaisais. J'ai vu ça à sa façon de me regarder. Et elle m'a promis qu'ils allaient s'installer sur la terre ferme définitivement. Et qu'ils se tiendraient tranquilles. Ah oui? Quel joli couple. Mes chers enfants, que Dieu les bénisse. Ah.
navire en vue sous le vent. Au poste de combat. C'est moi qui donne les ordres ici. Tout le monde au poste de combat. Oh, je viens de le dire, c'est moi qui commande. La Santa Maria m'a été donnée par mon père et je... C'est moi le chef de famille. La famille n'a rien à voir. Et rappelle-toi que je suis ton mari. Mais je suis plus forte que toi. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai.